Salut à tous, c'est Chimpaz. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser un petit dessin de Batman. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Batman... Hein ? Bah oui, quoi ? Bah oui, il y a des gens qui connaissent pas Batman. Et alors ? Hein ? Bon, comme je le disais, pour les gens qui ne connaissent pas Batman, il s'agit d'un personnage de comics américain créé par Bob Kane et Bill Finger et appartenant à l'univers des éditions DC Comics, dans lesquels se trouvent aussi Superman, Wonder Woman ou encore Green Lantern. Batman est donc à la base un milliardaire du nom de Bruce Wayne, devenu orphelin jeune et qui décide une fois adulte de lutter contre la criminalité de Gotham City en enfilant une cape, des collants et un masque. Des collants ! Évidemment, le gars s'est fait de nombreux ennemis. Comme le fameux Joker, un dangereux psychopathe qui n'a en tête que de faire rire les gens jusqu'à les faire mourir et dévaliser des banques. La sulfureuse Catwoman, une voleuse expérimentée arborant une tenue chabuleusement sexy. Ou bien le pingouin, né avec des malformations, le faisant ressembler à un manchot. Abandonné à la naissance par ses parents, il est alors élevé par des pingouins, avec qui il a développé la faculté de parler aux oiseaux et s'en sert pour cambrioler. Mais alors, vous me direz, pourquoi s'appelle-t-il Batman ? Pourquoi ? Eh bien, car c'est la traduction littérale de l'homme chauve-souris pour les non-bilingues. Amazing ! Et c'est à ce moment que vous me dites... Pourquoi la chauve-souris ? Eh bien, car il s'agit là de sa plus grande peur. Ah, bon, cessons de bavasser et maintenant direction la feuille blanche pour un peu de dessin. Mais avant, je vais vous donner le secret pour faire un très bon Batman. Il vous faut tout d'abord une ambiance sombre. Alors franchement les gars, c'est pas marrant. Bon, ensuite, une cape, un masque et des oreilles. Ça va comme ça ? Puis, le fameux bat-signal qui prévient notre héros lorsqu'il y a un méchant. Et enfin, une pose super héroïque digne des plus grands top modèles de la planète. Voilà, maintenant, vous savez théoriquement comment faire un bon Batman. On va donc passer à la pratique.
Ça y est, j'ai fini. Et ça tout seul, comme un grand. Merci, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Du coup, reste plus qu'à l'envoyer à Christopher Nolan et voir s'il veut bien en faire l'affiche du film. Hein? Quoi? Le film, il est déjà sorti. En tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube juste en haut. Et pourquoi pas aimer ma page Facebook, ou bien me follow sur Twitter, hein? Pourquoi pas? Laissez vos feux avec tout ça, les amis, je vous offre un patarang blanc. D'accord? Mais c'est un patarang quand même, hein? Allez.